Je suis en train d'attendre à une pharmacie. En fait, on est sur l'extérieur pour faire un autotest pour le Covid, puisqu'il me demande un test d'écouvillon pour arriver en Alaska. Donc là, on est direct dans la voiture. Normalement, ils devraient me remettre un kit que je vais me coller dans le nez et leur remettre en fait dans la petite boîte. The swab goes in the liquid part? Yeah. This side, eh? Just like that. Yeah. Complete? And now the part that you're holding, you just bend over the side there so you can break it off. That's just so you can put the lid back on. Yep, you just put the vial inside there. And then when you go to close it up, after you're done putting it in. Yeah. You put that in there, then you wipe it down. Okay. Alright, there you go. Good? Thank you. Bon, comme vous avez pu voir, en fait, le test, c'est pas si compliqué que ça à faire. Hein. C'est un grand coton-tige qu'on vient se mettre dans le nez, qu'on gratouille un petit peu. Alors oui, ça pique, ça picote un petit peu derrière l'œil, ça sort un petit peu l'alarme, mais il n'y a rien non plus de vraiment exceptionnel. Bon, maintenant, il n'y a plus qu'à attendre les résultats qui vont venir par mail. J'ai un petit papier de la clinique comme quoi j'ai fait mon test et puis on va voir ce que ça va donner, donc soit à Anchorage s'ils me le demandent, soit directement au village d'Aniak. On verra comment ça va se passer. Départ de l'aéroport donc de Tampa après ma petite semaine entre guillemets de repos entre guillemets parce que le temps d'organiser de faire un test pour le coronavirus, de refaire un contrôle pour les yeux parce que c'est pas facile sinon de faire ça à Aniak. Et ben voilà, donc un aéroport national qui je trouve comparativement à plus de gens qu'un aéroport international à l'intérieur, puisque là il y a quand même des gens, même si c'est pas, on peut pas dire que ce soit plein, mais comparé à Santiago ou Miami, il y a quand même une grosse différence. Ici, température ben, évidemment complètement différente, un peu plus élevée que ce que j'avais l'habitude. Aéroport de Dallas, et ouais, il y a un peu plus de monde quand même que même qu'à Tampa. C'est un aéroport déjà un petit peu plus grand. Et même là, si je suis dans une aile, l'aile E, où il y a moins de monde, je suis arrivé dans l'aile C où c'était plein. On aurait presque dit des temps normaux. Arrivé à l'aéroport de Seattle dans l'état de Washington, avec presque une heure de retard quand même, mais la correspondance est juste en face, donc ça va le faire, et puis je board dans quelques minutes seulement. Et ben maintenant, prochaine étape, Anchorage. Arrivé hier soir à l'aéroport d'Anchorage, j'ai pas filmé, beaucoup des contrôles pour sortir de l'aéroport. Il vous demande donc le test de Covid pour rentrer en Alaska. Si le test, dans mon cas, le test a été fait, mais j'ai pas les résultats, donc il me demande d'envoyer les résultats au service de santé d'Alaska. Et sinon, si vous n'avez pas fait de test, donc ils vous font directement un test à l'aéroport. Donc il y avait une queue quand même assez impressionnante pour le test. Et moi j'ai passé à côté de ça ayant déjà fait mon test, ça vous l'avez vu. Et puis ensuite à l'hôtel pour une nuit. Et maintenant donc en conditions normales, le voyage entre Anchorage et le village se fait directement depuis l'aéroport international de Stevens, je crois, donc à Anchorage. Et on prend là-bas, pas dans le même endroit, mais ça se passe à l'aéroport international. Sauf que là, évidemment, la ligne aérienne qui fait la liaison entre Anchorage et le village d'Aniak a déposé le bilan, donc Raven, Alaska, il n'y en a plus. Et puis maintenant, bah, c'est ça. Des petits avions comme ça. Donc là, je suis en train d'attendre pour que notre petit avion arrive et qu'il le prépare. Ensuite, on va monter dans cet avion, on doit être 4 ou 5 personnes. J'ai déjà rencontré des personnes que je connais ici, c'est hallucinant. Et donc, petit avion, puis on va essayer de filmer un petit peu ça. Voilà, arrivé à l'aéroport d'Aniak, donc là normalement c'est là-bas qu'on arrive quand il y a la compagnie aérienne normale qui est là. Bon là on vient d'atterrir et on vient d'aller jusqu'en bout de piste pour la partie civile, entre guillemets. Petit voyage tranquille, 1h30. Un peu plus d'1h30, ça s'est super bien passé, pas trop turbulent. On a des belles petites images à travers les montagnes, c'est sympathique. Voilà donc arrivé en Alaska, donc au village de Aniak, où je vais passer une partie de ma saison. Voyage d'environ 16 000 km avec les petits détours. Et donc là, mon premier tour sur la rivière. Donc le village est derrière moi là-bas à 1 heure environ de bateau. À peu près 35 km par la rivière avec tous les petits détours. Et nous voici actuellement sur le lieu de la lodge. Enfin, lieu de la lodge, ex-lodge, parce que actuellement, voilà à quoi ça ressemble. Il n'y a plus rien. Donc je vais essayer de vous trouver une photo de avant comment c'était. Et donc là, il y a environ 10 jours, et ben, tout a brûlé. Donc on est sur le ponton. Voilà ce qui reste. Ici, on avait le bâtiment principal. Et là, on avait les cabines donc, pour les clients. Le bâtiment pour l'équipe, en fait, là-bas, pour la troupe. Et donc tout a brûlé. Ici, quelquefois, ça se passe assez vite. Il y a eu une petite braise et un peu de vent, et les guides qui étaient là ont eu beau essayer de faire quelque chose. Avec les bouteilles de propane, tout s'est enchaîné et tout a cramé. Voilà, c'est comme ça. Donc là, il n'y a plus rien. Déjà que la saison n'est pas terrible avec le Covid. Hein, les clients... normalement devaient pas venir, peut-être quelques-uns seulement. Donc là on n'a plus qu'à nettoyer tout ça. Donc on va refaire sur ce lieu après nettoyage. Donc pour l'année prochaine, ici ce sera un camp. On va essayer de mettre ça un petit peu dans les bois, de faire quelque chose. Les tentes, bon, c'est des tentes grand luxe, attention, c'est des tentes qui font 3 mètres de large sur 7 mètres de long ou quelque chose comme ça, donc des tentes pour 2 personnes, et on a tout ça en fait à construire. Ça fait beaucoup de travail à faire, mais bon, c'est comme ça. Que dire de mon voyage par temps de pandémie? Et bon, c'est sûr que c'est pas comme avant, hein. Il y a certains avions où c'était plein, mais par contre d'autres où on était simplement une personne par 3 sièges ou 2 personnes par 3 sièges. Et bon, comme dit Latam, un autre monde, une autre façon de voyager, donc il donne ça un peu comme slogan. Et donc j'ai eu les résultats du test que vous avez vu à l'argot, donc des résultats négatifs, donc j'ai plus le Covid, parce que quand même je l'ai un petit peu eu quand même. J'ai eu besoin de refaire un test à l'entrée à Aniak, donc là j'attends les résultats de mon 2e test qui ne devrait pas donner plus que mon 1er test, et puis après on verra comment ça se passera en fin de saison pour repartir vers le Chili. Bon, maintenant je vais quand même normalement rester quelques mois ici, j'espère environ 3 mois, et beaucoup de travail en perspective, beaucoup de moustiques, il y a, je ne sais pas si vous les voyez, mais il y en a plein qui me tournent autour. Donc là les produits moustiques sont absolument obligatoires. Donc ça, c'était 2 générateurs Honda, un 6500 et un 7000, maintenant je ne sais pas lequel est lequel. Ils se ressemblent beaucoup. Ça, c'est tout ce qui reste de la lodge. Donc on avait ici la pièce commune, là-bas la cuisine, et là le petit poêle, les canapés, peau d'ours, tête d'élan sur les murs, etc. Ici on avait ce qu'on appelait la dry cabin, c'est-à-dire l'endroit où les guides faisaient sécher les waders, en fait, quand ils avaient besoin de les faire sécher. On a encore un générateur ici, donc un autre 6500 ou 7000, je sais pas. Toutes les parties de métal qu'on a ici, c'était de quoi faire le camp de tente là-bas à une trentaine de kilomètres plus loin sur la rivière. Pour l'hiver, tout était stocké ici. Il reste ici une petite partie du drive, du ponton. C'est assez impressionnant comment le feu peut passer d'un endroit à l'autre comme ça sans toucher des choses au milieu. Et là on avait toutes les cabines, donc une cabine pour 2 clients, et on avait ça, donc on avait 7 cabines comme ça jusqu'au bout là-bas. Bon, donc tout ça, il y a à peu près pour un gros $1 million de dégâts. Et il n'y a pas grand chose à récupérer. On a juste un banc de scie en fait là que j'ai démonté, qui est partiellement endommagé, et je vais essayer de réparer ça, de changer le moteur, de refaire quelque chose, puisque on va avoir besoin d'un banc de scie pour tailler tous les arbres ici, fabriquer du bastin, de la planche, et reconstruire nos plateformes pour mettre les tentes pour la prochaine saison. Et il y a beaucoup de nettoyage à faire. Bon allez, je dois retourner au village, j'ai plein de boulot qui m'attend. Donc je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao.